Parce que moi, je ne peux pas imaginer que des individus qui ont de l'or chez eux, des individus qui ont toute la richesse du monde chez eux, bah, ils ne pas devenir des mendiants en Europe. C'est de la pure ambiguïté. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelle est cette magie-là? Moi, j'ai vécu des histoires où certaines personnes m'expliquaient en Europe que je ne peux plus retourner en Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai légué, j'ai hypothéqué tous mes biens, ma voiture, tout. Ma famille, ma femme et mes enfants sont chez ma mère. J'ai dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi vendre tes biens pour une illusion? Et maintenant, il est en Europe, pas qu'il vit la belle vie, il vit en fait comme un rat en fait, c'est-à-dire qui a peur de la journée. Quand il y a des flics là, il se coule et il ne fait que manger du sandwich, c'est tout. Et puis, bon, est-ce que ça, c'est une vie ça? Nous, en tant que jeunes Africains, étant en Europe, on n'a pas d'utilité. Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. Aujourd'hui je suis avec le professeur Kunta Kaye, le plus jeune entrepreneur ivoirien et le plus jeune entrepreneur de la CEDEAO. Il est également le PCA, le PDG du groupe PCA, alors c'est plutôt ça, le PDG du groupe PCA. Il est également l'inventeur du biocharbon, alors je vais continuer comme ça à citer, ça va pas finir. Je vais vous dire pourquoi ça, parce que c'est un grand monsieur, je suis avec vraiment un grand monsieur, que je vous invite à suivre attentivement cette interview. S'il faut même aller prendre des notes, parce qu'il va donner beaucoup de clés, beaucoup d'astuces en entrepreneuriat. Vous allez l'écouter et le découvrir tout à l'heure vous-même. Mais avant tout ça, je vous invite déjà à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines publications. Merci beaucoup, professeur Kaye, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos abonnés? Bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Kaye Kunta, jeune entrepreneur. Je suis le PDG, ou le PCA si vous voulez, président du conseil d'administration de PCA Universal. Il y a une nuance, bah, c'est pas une nuance, bien au contraire, c'est une coïncidence. Donc PCA qui veut du professeur Kaye Universal. Donc mon entreprise a 17 filiales aujourd'hui. Donc nous sommes implantés dans 4 pays. Le siège est à Accra, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Sénégal, là où vous êtes même, et bien évidemment au Maroc, à Casablanca. Alors donc, comme vous l'avez dit précédemment, voilà, je suis le plus jeune entrepreneur de la CEDEAO primée officiellement et également reconnu au niveau de l'ordre de chevalier au niveau d'Abidjan national. Donc j'ai fait mes preuves, j'ai également inventé le biocharbon, j'ai reçu un prix bien évidemment de plusieurs institutions internationales. Donc ben voilà, c'est un grand plaisir de participer à cet entretien avec vous, monsieur Justin. Merci beaucoup. Et comme je vous disais, vous êtes en train de découvrir notre invité, professeur Kaye, qui mène d'ailleurs plusieurs combats, et son premier combat, c'est le retour de la diaspora. Alors, vous êtes reconnu d'abord pour plusieurs combats, mais surtout le retour de la diaspora. Vous dites que la diaspora est beaucoup plus utile en Afrique qu'en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Bah, écoutez, moi, j'ai été particulièrement en Europe, en l'occurrence en Angleterre, sur plusieurs douzaines d'années. Donc, je peux dire, je suis à moitié européen, parce que je connais beaucoup ce que c'est l'Europe, de l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, etc., tout, la France, la Belgique, l'Angleterre, où j'ai passé beaucoup d'années. Donc, en fait, vous savez, nous, en tant que jeunes Africains, étant en Europe, on n'a pas d'utilité. Parce que c'est comme si tu prenais en fait des élèves de la classe de CM2 et tu les envoyais dans une classe de 3e et tu espères qu'ils apportent un changement. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc nous, la diaspora africaine en Europe, on représente ici, dans l'imagerie, des élèves de CM2 en 3e. L'Europe est déjà avancée en entrepreneuriat. Quand je vois aujourd'hui mes jeunes frères et mes jeunes compatriotes dire que je suis en Europe pour entreprendre, je me dis, bah attends, ils se foutent de qui? Parce que l'Europe a un niveau de développement énorme. Qu'est-ce que tu peux faire en Europe et qui va avoir l'air ou l'allure d'être nouveau? Les Européens ont déjà tout découvert. C'est chez eux que tout est quitté. Bien au contraire, là où on doit apporter un changement, là où on doit apporter une amélioration, là où on doit apporter une nouveauté, quelque chose de particulier, c'est ici en Afrique. Voilà la raison pour laquelle je dis et je réitère mon engagement. La diaspora africaine est inutile.
en Europe, même aux États-Unis. On n'a pas notre place là-bas. Imaginez-vous que l'Afrique fait aujourd'hui le deuxième continent le plus grand au monde. D'accord ? Après l'Asie, 54 millions de kilomètres carrés. Alors, donc, on est également le premier continent le plus vierge. C'est-à-dire là où la grosse partie, environ 90% de la partie est vierge, c'est-à-dire pas utilisée. En termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines, en termes de ressources, sur tous les plans. D'accord ? Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, géostratégiquement parlant, toutes les grandes puissances, la Russie, les États-Unis, la France, tout le monde vise l'Afrique. L'Afrique est le prochain Eldorado. Donc imaginez-vous si les étrangers, eux, déjà dans une grande vision, pensent que l'Afrique est le prochain continent de l'avenir. Qu'en est-il de nous-mêmes, les autochtones, nous-mêmes qui y vivons? Donc, juste vous dire que créer une entreprise en Europe, ça sera comme verser une goutte d'eau dans la mer. Ça n'a pas de sens, en fait. Là où nos entreprises doivent être, c'est en Afrique. Donc, il ne sert à rien de rester en Europe et de faire des vidéos sur YouTube pour mettre la salive aux lèvres des gens, pour dire, écoutez, investissez, investissez, tandis que toi, tu es en Europe. Vous voyez, je vois un exemple très banal comme ça, d'un certain type que je m'évite de dire son nom. Il est en Europe et il dit aux gens, investissez en Afrique. Quel paradoxe! Ça n'a pas de sens, parce qu'il faut être sur le terrain pour parler. Ouais. Tu ne peux pas rester là-bas et insurrecter les gens, dire « Non, investissez, investissez, tandis que toi, tu es en Europe. » Non, l'Afrique était capitale. Nous avons des potentialités, nous avons des grandes opportunités en Afrique. Raison pour laquelle moi, j'ai décidé personnellement, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, ici même à Dakar, je fais partie d'un réseau des chefs d'entreprise qu'on appelle Retour au Bleda, c'est-à-dire Retour au pays. On organise des afterworks. Ils sont nombreux qui sont revenus, même le directeur de SOS Médecins, etc., ici à Dakar, il est revenu, il s'est installé avec son époux. Plein de personnes comme ça sont revenues. On a créé un réseau de chefs d'entreprise qui encourage non seulement ceux qui sont toujours, mais ceux qui sont déjà là à s'intégrer. Ça, c'est la première rubrique. La deuxième rubrique, c'est étant un Africain en Europe, la vie est difficile. Imaginez-vous, pour créer une entreprise en Angleterre en tant qu'Ivoirien, je dois gaspiller 10 fois la même somme qu'en londonien. D'accord ? Pourtant, pour créer une entreprise ici au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, je n'ai que mon capital de 15 000 francs. Alors, donc, imaginez-vous, entre investir en Europe et investir ici, où est-ce que je me sens plus à l'aise ? Et ça, c'est au volet financier, au volet discrimination. Est-ce que vous vous rendez compte que les plus grands start-upers, les plus grands entrepreneurs, ils ont tous émigré de l'Europe, des États-Unis. Qu'est-ce que nous, on va le faire là-bas encore ? Et même la diaspora qui est maintenant en Europe depuis plus de 70 ans, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait aujourd'hui qui est marquant et tout le monde utilise ? Mais non, pas, niet. D'accord ? Donc, ce sont des signes qui nous prouvent que là où nous devons nous concentrer, là où nous devons investir, là où nous devons venir, c'est à nos sources, chez nous. Nul ne se sent à l'aise que je sois. Vous comprenez ? Donc, on est inutile à l'Europe parce que, quelle que soit l'innovation qu'on va porter en Europe, ça n'aura aucun impact que de chez nous, sur l'Afrique. Écoutez, la somme que la diaspora envoie de la France uniquement, de la France vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ça vaut le PIB de l'Érythrée. Un pays de non loin de l'Éthiopie. Imaginez-vous la somme qu'on envoie. On est d'accord. Généralement, on envoie ces sommes-là. Pourquoi ? Ben pour des choses bidons. C'est-à-dire, on ne les envoie pas pour construire une entreprise, on ne les envoie pas pour mettre des projets sur place, on les envoie exactement des petites choses, des petits problèmes, et puis bon, voilà, c'est tout. On est d'accord. Donc, ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que notre condition de vie en Europe. Imaginez-vous, vous êtes en tant qu'Africain en Europe. Tu peux louer un petit appartement, ils vont te dire 300 euros, 400 euros. Juste une chambre, tu viens, tu dors une douche, 400 euros. Pourtant, chez toi, tu es incapable de louer un studio même de 50 000 francs. Mais tu es capable de louer un trou de 400 pounds ou 400 euros. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas revenir, profiter ? Peut-être c'est ce qui explique aussi qu'on retrouve beaucoup d'Africains dans les rues en train de dormir. Et justement, les SDF, les sans-domicile fixe, justement. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que des individus qui ont de l'or chez eux, des individus qui ont toute la richesse du monde chez eux, bah, ils pas devenus des mendiants en Europe. C'est de la pure ambiguïté. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelle est cette magie-là ? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si tu es la source de tout le bonheur, certaines personnes disent politique, crise, bah, c'est du n'importe quoi. C'est de la stigmatisation. On est d'accord ? Nous, on y vit quand même. On est là et on ne se plaint pas de mal. Donc, le mieux à faire, c'est de revenir chez soi, ne pas passer son temps à se promener dans la rue, prendre les photos, tout refaire, je suis en Europe. Alors, après, et quoi ?
C'est ça le retour. Et quoi? Qu'est-ce que tu arrives à implémenter? Qu'est-ce que tu arrives à faire? Qu'est-ce que tu as... quel est ton impact dans ta société, dans ton environnement? D'accord? Et dites-moi le nom d'une seule entreprise dans diasporin africain qui est en Europe que les Européens utilisent, ou même que nous, les Africains, nous utilisons. Rien, à part envoi de colis informel. J'ai 33 kilos, Paris, Abidjan. Est-ce que ça, c'est une entreprise? Ça, ça peut évoluer une nation? Je dirais non. On est d'accord. Donc, on a des potentialités. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en Europe. La preuve en est, j'ai été. Il faut aller pour chercher, comme les Chinois le font. Vous n'allez jamais voir un Japonais, un Chinois en Europe pour aller se faire voir. Il va, c'est pour aller prendre la connaissance. Vous n'allez jamais voir un Juif aux États-Unis pour aller se faire voir. Il va, c'est pour aller prendre la connaissance. Regardez l'histoire du Japon après l'Hiroshima, le Nagasaki. Ils ont envoyé des étudiants aux États-Unis, partout dans le monde, pour aller faire quoi? Pour aller chercher cette technologie et revenir, pas pour rester là-bas. On est d'accord, mais triste est le constat aujourd'hui que nos frères ici même bradent tous les biens. Moi, j'ai vécu des histoires où certaines personnes m'expliquent en Europe que je ne peux plus retourner en Afrique. Pourquoi? Parce que j'ai légué, j'ai hypothéqué tous mes biens, ma voiture, tout. Ma famille, ma femme et mes enfants sont chez ma mère. J'ai dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi vendre tes biens pour une illusion? Et maintenant, il est en Europe, pas qu'il vit la belle vie, il vit en fait comme un rat en fait, c'est-à-dire qui a peur de la journée. Quand il y a des flics là, il se coule et il ne fait que manger du sandwich, c'est tout. Et puis, est-ce que ça c'est une vie? Ça ne peut pas nous envoyer. Aujourd'hui, notre continent est devant un défi. Le défi, c'est nous, les jeunes Africains, nous devons le relever. Donc, cela veut dire qu'une conscientisation, une autoconscientisation est primordial chez nous. Donc, évitons d'aller... Moi, je dis toujours, ce sont les illettrés qui partent en Europe. Parce que quand tu vas en Europe, tu as fini tes études, ce que tu as appris, viens exploiter ça ici. Pourquoi rester là-bas, dire que non, écoute, c'est là-bas, la belle vie, là-bas, tu fais quelque chose, on te donne 100 euros, la gêne facile. De la même manière, on te donne, c'est comme ça que tu gaspilles. Donc, ça revient à zéro, en fait. On est d'accord, ça revient à zéro. Et d'ailleurs, les Européens, lorsqu'ils sont venus en Afrique, ils ne sont pas venus pour nous donner des bonbons et des biscuits. Ils sont venus piller nos ressources, ils sont venus prendre et ils sont repartis. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est le premier motif de la conquête européenne en Afrique, parce qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Et ils sont allés prendre, ils sont revenus. Mais pourquoi nous, on veut partir et rester là-bas? Lorsqu'il parle de paradis, dites-moi, dans deux parties de la Terre, une partie où tu as toutes les météos qu'il faut. C'est-à-dire, tu as la neige au Maroc, en Afrique du Sud, en Égypte, etc. Tu as l'été en Somalie, en Côte d'Ivoire. Tu as l'automne au Sénégal, autant. Tu as le printemps au Burkina, autant. Et dans une partie du monde où tu as une seule météo. C'est-à-dire, pendant 8 mois, il ne fait que neiger. Et tu deviens comme un poulet sans parents, en fait. C'est-à-dire, tu souffres du froid, de la fraîcheur, pendant plus de 8 mois. Et le reste, c'est qu'une petite été. Petite été, même pas de 16 degrés, 18 degrés, c'est-à-dire dans l'été même, tu galères. Donc imagine-toi, dans cette partie, c'est où le vrai paradis? Mais attendez, moi, aujourd'hui, je me porte garant de l'Afrique. L'Afrique est le plus beau continent du monde. Je vous dis, allez, sortez, ne restez pas dans votre cadre, sortez, allez-y visiter. Moi, j'ai visité plus d'une quarantaine de pays en Afrique. Je sais très bien de quoi je parle. J'étais à Addis Abeba, j'étais à Kigali au Rwanda, j'étais à Kivu au Congo, j'étais à Ouaga, j'ai vécu. On a de belles choses, mais sachons nous-mêmes reconnaître qu'on a des belles choses. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on peut vivre en Afrique comme un prince. On peut vivre en Afrique comme un prince. Vous convenez avec moi. Et vivre en Europe comme un esclave. Et c'est ce que mes frères font. Voilà pourquoi je les demande de venir. Vous n'avez rien à faire en Europe. Votre place, c'est chez vous. Vous n'avez rien à faire en Europe. Mais attends, écoutez, on a des soucis ici, on doit résoudre. On a un challenge devant nous. La jeunesse américaine, la jeunesse asiatique contre la jeunesse africaine. Nous, par contre, on préfère aller rejoindre la jeunesse occidentale qui ont, eux, déjà plus de 500 ans de développement, d'avance que nous. Qu'est-ce que nous cherchons là-bas? Vous voyez? Donc, juste vous dire que, en grosso modo, je ne crois pas à ce débat qui n'a pas de tête ni de queue pour dire que je vais me chercher en Europe, je vais avoir l'argent pour revenir. Tu ne vas pas te chercher en Europe, tu vas mourir en Europe. Parce que l'Europe n'est pas un endroit. Exactement, justement. C'est des cadavres qui reviennent. C'est-à-dire, c'est lorsqu'ils sont morts en expatrie, leur corps dans les avions qui coûtent énormément cher. Vous voyez? Donc, ça concerne tout le monde, pas simplement la jeunesse, même nos politiciens, nos leaders et qui vont se faire soigner en Europe. J'ai dit, excusez-moi du terme, mais c'est bête.
c'est bête, d'autant plus que si tu es un leader et que tu comptes développer ta nation, il faut faire confiance aux infrastructures de ta nation. Mais il ne fait même pas confiance même au docteur que lui-même il a nommé. Donc il préfère aller se faire soigner en Europe où la facture se triple, se quadruple. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des anomalies qu'il faut avoir le courage de dire à mes jeunes frères africains. Si tu es un jeune frère africain, tu es dans la diaspora, aux États-Unis, en France, en Angleterre, je ne sais pas où tu es, tu regardes cette vidéo, j'ai une seule chose à te dire, plie tes bagages et rentre. Quitte dans cette misère infernale que tu es, dans ce siècle vicieux européen, tu ne pourras rien faire en Europe. Le seul endroit sur cette terre où tu pourras faire quelque chose, c'est au Sénégal, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Burkina. Là-bas, tout ce que tu peux faire, manger du sandwich et mourir. C'est tout. Ça se voit, ça se voit. Professeur Kaye, dans ses œuvres, comme toujours, hein, parce que c'est un gars qu'on écoute vraiment, vraiment, mais très, très religieusement dans presque tous les secteurs, que ce soit dans la politique, dans la religion, dans l'entrepreneuriat. Il a fait beaucoup de recherches en linguistique, il a fait également beaucoup d'autres recherches en société, en business, en économie. Et quand il parle de ça, c'est avec beaucoup de connaissances de cause. Et moi, surtout, ce que je retiens, quand tu prends l'exemple de la Chine, des Juifs, en fait, les Africains n'ont qu'à juste prendre ces exemples-là, quoi. Les Chinois ne viennent pas en Afrique pour rester. Les Chinois ne vont pas aux États-Unis pour rester. Les Chinois ne vont pas en France pour rester. Non, laissez-moi vous faire une parfaite illustration. En 1960, après l'indépendance, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, prenons un tout petit pays banal, anodin, tel que la Corée du Sud, ou si tu veux, même la Corée du Nord. Le PIB ivoirien était deux fois supérieur à celui de la Corée du Nord ou du Sud. Prends, même la Chine. Même la Chine. La Chine prêtait de l'argent, enfin, la Chine empruntait de l'argent à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a connu un miracle, une explosion économique juste après son indépendance. Ce qu'on appelle le miracle ivoirien. Avec l'explosion du prix du cacao et tout, même en Côte d'Ivoire, tu te promenais, tu pourrais ramasser des liasses de billets à terre. Je t'ai dit que les planteurs, ils se sont sanctifiés des liasses de billets. On a connu ce miracle-là, mais en ce moment-là, notre économie était supérieure à celle de ces pays tiers dont je parle, où la population, d'ailleurs, 90% a plus de 50 ans, c'est-à-dire une population vieillissante. En Côte d'Ivoire, par exemple, 60% de la population a moins de 25 ans. Donc, une population fraîche, dynamique et jeune. Regardez la parfaite illustration. 60 ans plus tard, qu'est-ce qu'on en devient ? C'est-à-dire la Chine ou le Japon ou je ne sais pas, la Corée du Nord ou du Sud, qui était l'autre fois, qui nous empruntait de l'argent, aujourd'hui nous prête de l'argent et on ne pourra jamais rembourser jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, c'est une illustration qui simplement doit nous réveiller, doit nous faire comprendre que c'est seul le travail qui paye. Ils ont bossé, ils sont partis chercher, ils sont revenus. Imaginez-vous, s'ils étaient restés, si après la guerre, il y a le printemps chinois, il y a eu des crises qu'on appelle... l'insurrection chinoise, les Britanniques ont fait plein de choses en Chine. Si les Chinois voulaient se victimiser, disaient que non, écoutez, aujourd'hui nous n'en serons pas là où ils sont. Vous voyez, aujourd'hui la Chine est la première, puis je dirais première, je dis parce que c'est vrai, c'est la première puissance économique. Même si les États-Unis refusent, ils sont la première puissance économique. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont bossé. Ils ont bossé et ils sont revenus chez eux tout en maintenant leur culture, leur tradition et leurs croyances et tout. Ils ont bossé dur à l'interne, pas à l'externe. Ils sont allés apprendre et revenir. Donc si nous, les Africains, on aspire à des tels modèles, cela veut dire que pas qu'on doit copier leur parcours, mais on doit apprendre de leur parcours, apprendre d'être différent de copier. Ils ont leur culture, ils ont leur mentalité, ils ont leur manière de vivre qui est très différente de la nôtre. Donc on ne doit pas copier, mais on doit apprendre. Leur expérience doit nous enseigner. Comment est-ce qu'on doit mettre nos pas ? Et la seule chose qui peut nous aider, nous faire sortir, c'est le travail, rien que le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Kaye, pour cette brillante démonstration. Et le professeur Kaye, il ne dit pas pour le dire, hein, il donne des exemples. Et lui-même, il est un exemple avec des solutions clés à main. Parce qu'il dit que c'est... Alors, il n'est pas là en train de dire que voilà, revenez, et puis voilà, il ne fait rien. Il donne des exemples. Et tout à l'heure, il va nous expliquer avec les différentes activités que vous menez sur le terrain ici en Afrique. Et toi, tu es convaincu que c'est le travail et surtout basé sur l'entrepreneuriat qui va délivrer l'Afrique. Et à ce sujet, vous avez développé plusieurs business. Alors, votre société, le groupe PCA, a à ce jour 11 filiales, c'est ça ? 11 ?
13 filiales, la société a 13 filiales où vous travaillez un peu partout en Afrique. Donc aujourd'hui, même si en parlant d'entrepreneuriat, vous avez eu une expérience très très forte dans le domaine de l'entrepreneuriat, et vous avez même écrit un livre qui est intitulé « L'entrepreneuriat est ma seule religion ». Avant même de parler de ce livre, est-ce que vous pouvez nous donner déjà les étapes de l'entrepreneuriat? Parce que beaucoup qui nous suivent ici sont des entrepreneurs et ils veulent que vous nous donniez vraiment... parce qu'au début, j'ai dit d'aller prendre des notes, tout ça. Tu vas nous dire vraiment les étapes pour entreprendre. Quelles sont les étapes concrètes pour celui qui veut aujourd'hui se lancer en entrepreneuriat? Il y a ceux qui se sont aussi déjà lancés en entrepreneuriat, mais qui ont fait aussi échec. Peut-être qu'ils n'ont pas suivi ces étapes-là. Tout ça, je pense que beaucoup sont intéressés à ce que tu développes cet aspect-là de la processus ou bien des étapes de l'entrepreneuriat. À l'instar de mes propres expériences, parce que vous savez, dans la recherche et dans l'admission des idéologies ou bien des hypothèses, il est très important de se baser sur sa propre expérience. Alors moi, je crois que l'entrepreneuriat est une parfaite illustration de la fécondation. Je m'explique. L'entrepreneur, c'est le couple. D'accord ? Si vous voulez, c'est la femme. D'accord ? Alors, avant que la femme féconde, d'accord, il faut un accouplement. Donc, l'entrepreneur, également, lui aussi, il faut qu'il puisse faire une rencontre avec sa germination. C'est-à-dire, ce truc-là, cette graine-là qui va lui permettre de pouvoir germer. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui, on appelle problème. Donc, détecter un problème, germer avec le corps. La première étape, c'est détecter un problème. D'accord ? Identifier un problème. C'est la première étape dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai illustré avec le couple. Donc, ils ont germé d'abord la fécondation. Ensuite, l'étape prochaine, la prochaine étape, c'est bien évidemment, après avoir germé, après avoir fécondé, il faut faire quoi ? Il faut tomber enceinte et porter une grossesse. Donc, ici, dans le cadre de l'entrepreneur, c'est de pouvoir faire naître l'entreprise. Ok, donc c'est de faire la deuxième étape. La deuxième étape, pouvoir faire naître l'entreprise. Pouvoir faire naître l'entreprise, c'est quoi? C'est de passer de l'imagerie, de la fiction, de la pensée à la pratique. Créer le nom de mon entreprise. Je prends un exemple. J'ai lancé, par exemple, cette entreprise d'eau. Okay. D'accord. D'abord, j'ai pensé, j'ai germé, j'ai fécondé, je veux créer une entreprise d'eau. Okay. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché le nom. Ok, le nom parfait, c'est Kaya. Ok, ça vient. D'accord, donc de l'imagination, je passe à la création, à la créativité. On passe d'un monde fictif. Fictif à un monde réel, factuel. D'accord, donc j'ai créé tout, j'ai pensé à la couleur, à temps. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la grossesse de l'entrepreneur. D'accord, donc vous êtes jusque là, vous me suivez. Alors donc après ou bien pendant cette grossesse-là, qu'est-ce que la femme fait? Elle supporte. Donc l'entrepreneur doit supporter la grossesse. Pour la femme, c'est 9 mois. L'éléphant, c'est 3 ans. L'entrepreneur, c'est combien d'années? Je ne saurais vous dire. Ça peut même prendre des siècles. Mais tant que tu vis, il faut porter ta grossesse. D'accord? Alors, donc, l'entrepreneur, dans cette illustration-là, il porte sa grossesse. C'est-à-dire, il a créé son entreprise. Il va enregistrer son entreprise. Il va faire toutes les démarches. Mais il est toujours dans le niveau primaire. Le niveau primaire, c'est-à-dire, c'est les start-upers. On est tous d'accord. Alors, donc, dans cet élan-là, il reste toujours concentré. Il a confiance en ce qu'il fait. Comme la femme enceinte, elle ne se décourage jamais. Elle ne dit pas, mais qu'est-ce qui est dans mon ventre? Est-ce que ce n'est pas une banane? Est-ce que ce n'est pas une pomme? Non, elle est confiante que c'est un enfant qui se trouve dans son ventre. C'est comme ça, l'entrepreneur doit être confiant que cette entreprise que je crée est en train de réellement régler un problème sociétal. Après 9 mois chez la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle accouche. L'entrepreneur doit maintenant passer à l'étape suivante, l'enfantement de son entreprise. Cela veut dire qu'il doit maintenant sortir de l'étape primaire. Cela veut dire où il était seul, où il partageait ses prospectus, où il faisait tout seul, avoir maintenant une équipe. Parce que lorsque l'enfant sort de la femme de l'enfant, ils deviennent deux. D'accord ? Donc l'entrepreneur également doit avoir une équipe. Je vous dis et je vous l'aurais dit, on ne peut jamais avancer seul. On peut aller rapidement, mais ensemble, on va plus fort. Pour réussir en entrepreneuriat, ou bien même pas pour réussir, pour avancer, il faut une équipe. L'équipe est indispensable. L'équipe, pour choisir l'équipe, c'est très facile. Ça peut être ton meilleur ami, ça peut être une personne avec qui tu partages ta vision, ça peut être un employé, ça peut être ta mère, ton père, etc. On a connu plein d'histoires comme ça. D'accord ? Donc, on continue avec cette illustration. Alors, donc, la femme a accouché le bébé. Le bébé est incapable de parler, de manger,
de ramper, etc. Donc, qu'est-ce que la femme fait? La femme encore prendre soin du bébé. C'est comme ça, l'entrepreneur qui a créé son entreprise doit être capable de pouvoir prendre soin de l'entreprise. L'entrepreneur n'est pas l'entreprise. L'entreprise n'est pas l'entrepreneur. Il y a l'entrepreneur et il y a l'entreprise. Donc, pendant que tu suivis, ton entreprise suivit. Ton entreprise a un statut. On l'appelle une personne morale. Nous sommes des personnes physiques. Donc, de la même manière que tu as un nom, tu as un extrait, tu as un compte bancaire, l'entreprise également aura un nom, un extrait et un compte bancaire. D'accord? Donc, tu allaites ton entreprise. Cela veut dire que tu en jettes tes puissances, ton argent, ta vie. Tu en jettes, tu te donnes à 100%. D'accord? Comme la femme le fait. Très bien. D'accord? Donc, tu l'as, tu évolues. Jusqu'à un certain moment donné, l'enfant commence à faire les quatre pattes. Ton entreprise également doit avoir ce qu'on appelle une courbe évolutive. Cela veut dire que si tu as commencé à X années, à partir d'une certaine année, tu dois savoir que tu fais plus certaines choses que tu faisais avant. Je prends un exemple. Moi, mon cas, j'ai commencé toute cette structure avec 15 000 francs CFA. Et au début, j'étais mon secrétaire, j'étais mon assistante, j'étais tout, le teacher, je faisais tout. Même je faisais mes prospectus à l'époque, l'Internet n'était pas trop développé. Je vous parle de 10 ans en arrière. Facebook n'était pas trop populaire. Donc, tu es obligé de faire des prospectus, aller dans les cités, glisser en bas des poches. Je l'ai fait. J'ai marché 72 km aller-retour, donc plus de 32 aller-retour, d'accord, pour aller partager mes prospectus dans des centres commerciaux, etc. D'accord, à cette étape-là, c'est parce que généralement, je venais d'accoucher mon entreprise. D'accord, donc c'était normal d'allaiter mon entreprise. On est d'accord. Donc, l'étape maintenant qui suivra, après avoir accouché, c'est de prendre soin de cette entreprise-là pour ne pas que cette entreprise-là meure ou souffre. Donc, comme une mère, quand son bébé pleure la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Faire les soins, aller faire des visites médicales, etc. C'est ça l'entrepreneur doit faire. Maintenant, le bébé arrive à quelle étape? Là où il parle maintenant. Cela veut dire que là où on dit on parle, c'est quand mon entreprise est capable de me donner 500 francs par le mois, je dis tiens, mon entreprise parle, mon enfant parle. D'accord? Donc, cela veut dire que les étapes précédentes, mon entreprise n'était pas capable d'assurer mon quotidien. Maintenant que mon entreprise a atteint ce niveau, cela veut dire qu'elle est capable de me donner un minimum. C'est-à-dire que je dois vivre en dépend de mon entreprise. C'est ça l'étape de l'enfant part. D'accord? Après que l'enfant part, l'enfant mange, l'enfant grandit, etc. Donc, c'est comme ça que tu dois grandir avec ton entreprise. Et rassurez-vous, la mère prend soin de l'enfant depuis la grossesse jusqu'à ce que l'enfant soit à mesure d'aller à l'école. Donc, il faut inscrire ton entreprise. Il faut scolariser ton entreprise. Cela veut dire qu'il faut passer à une autre étape où ton entreprise, vraisemblablement, est capable maintenant de pouvoir réfléchir, de pouvoir pas trop dépendre de toi. Ce niveau-là, cet intervalle de niveau, combien de temps ça prend? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des étapes indispensables. Tout entrepreneur aujourd'hui à succès, qui ont eu beaucoup d'argent, ont été obligés de suivre ces étapes-là. Je ne prendrai pas des exemples sur le Mark Zuckerberg, les Steve Jobs, les Larry Page, parce que tous ce sont des Européens, les Africains, désolé, les Américains. Mais moi, je veux qu'on prenne des exemples en Afrique, sur des Africains, Ali Dangote, mais moi-même, etc. Et tout. Tu as un exemple? Exactement. Donc, il faut prendre des exemples avec des personnes qui sont dans les mêmes conditions et environnement que nous. Ne faisons pas rêver les gens. Vous ne connaissez pas comment Mark Zuckerberg a fait. Il a reçu un financement des services fédéraux, etc. Plein de choses. Donc, il n'a pas eu les mêmes conditions que nous. Donc, évitons de prendre des exemples sur des personnes qui ont les différentes conditions de vue que nous. Mark Zuckerberg, il fréquentait à Harvard University. Ce n'est pas à Cocody University. Harvard, il y a des fonds qui sont disponibles pour les étudiants, pour les booster. Donc aujourd'hui, s'il est devenu milliardaire, c'est son environnement. Donc il ne s'agit pas de rêver, de dire que moi je vais devenir comme Mark Zuckerberg. Non, cherche dans ton environnement le jeune qui a galéré comme toi, comme moi par exemple, qui s'est fait arracher la porte de chez lui par son propriétaire, qui a galéré aujourd'hui, qui a atteint un niveau. Prends-le comme exemple. Arrête de prendre d'exemple sur Steve Jobs, d'où tu ignores ce qu'il a vécu comme réalité. Entre parenthèses. Alors, donc, là où ton entreprise est arrivée, il est scolarisé, la mère paye les études de l'enfant jusqu'à l'université. Qu'est-ce qui se passe à ce moment donné là? L'enfant, après avoir décoché son diplôme, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un emploi. Pour devenir quoi? Indépendant de sa mère. Donc l'entrepreneur, arrivé à ce stade-là, doit être à mesure de pouvoir rendre l'entreprise indépendante. C'est-à-dire, il ne doit plus dépendre de son entreprise. Même à son absence, l'entreprise doit rouler. Donc, il doit maintenant penser intelligemment à mettre des stratégies en place pour pouvoir justement faire rouler l'entreprise. Même à son... Par exemple, moi, mon cas, je suis ici à Dakar, mais je suis là depuis 9 mois. 9 mois. Mais le système marche. Ça marche à Accra. Ça roule.
D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai mis un système, mon entreprise a atteint le niveau, il a décoché son diplôme, d'accord, et il est arrivé à un niveau d'indépendance. Et là maintenant, toi, tu cherches à accoucher un autre. J'arrive, j'en viens, n'allons pas vite en besogne. D'accord, suivons la procédure, n'allons pas vite moi, en besogne. Je t'écoute. Très bien. Donc là. Même si je note pas là. Justement, non, vous voyez d'où je veux venir. D'accord. Donc là, cet entrepreneur-là maintenant a vu son fils décocher un diplôme et être indépendant. Et lui également, lui aussi, il va se marier et il va faire un autre enfant. Donc l'entrepreneur doit maintenant pouvoir avoir une entreprise qui est capable de créer d'autres entreprises ou d'autres leaders. Pour moi, c'est ça le succès. Le succès n'est pas d'avoir de l'argent dans ton compte, le succès en entrepreneuriat bien sûr, n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir beaucoup de biens, mais être capable de pouvoir former d'autres leaders. Par exemple, moi, je suis à la tête d'un réseau, la Ligue des jeunes entrepreneurs, okay, où j'ai formé d'autres leaders qui, eux aussi, ont des entreprises qui ont formé d'autres leaders. Donc, moi, aujourd'hui, je peux m'asseoir dans mon fauteuil et être satisfait en me disant que, même si je meurs aujourd'hui, j'ai gravé ma personnalité dans la tête de certaines personnes. Aujourd'hui, certaines entreprises existent grâce à moi. Donc, je peux me permettre d'être un entrepreneur à succès. Exactement. Sans toutefois tenir compte du nombre de comptes d'argent qu'il y a dans mon compte. On est d'accord. Donc, quand l'entreprise, maintenant, atteint ce niveau-là, dès lors, l'entreprise doit être autonome. Cela veut dire que tu dois, mettons, chercher ce qu'on appelle le financement à agrandir ton capital. Et c'est ça, c'est là le hic. Beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à reconnaître leur niveau. Tu es un start-upper, tu cherches un financement. Pourquoi faire? Tu ne maîtrises même pas encore ton enfant. Tu ne maîtrises pas encore ton entreprise. Tu n'es pas capable, en fait, de pouvoir cerner ton entreprise. Le financement ne servira à rien. Parce que le plus important n'est pas d'avancer rapidement. Non, le plus important, c'est d'avancer en connaissant ton enfant. La mère, par exemple, si elle connaît que son enfant il est non-violent et que quelqu'un vient de dehors, lui dit que, écoute, ton enfant X a fait du non, moi, je connais cet enfant. Il ne peut pas faire ça. Je me m'amène dans le feu. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à connaître cet enfant. Imagine-toi qu'elle met l'enfant et elle s'en va, elle laisse l'enfant seul. Elle ne pourra pas reconnaître l'enfant. Parce que justement, elle ne pourra pas identifier quel est le comportement de cet enfant-là. D'accord? Donc, il est très important de noter que l'entrepreneur doit connaître son entreprise. Toutes les étapes que j'ai citées, ce sont des étapes qui demandent un minimum, d'accord, d'expérience. Ça ne se consomme pas au pas des escaliers. C'est-à-dire, non, ça prend du temps. Ça peut te prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça dépend des inspirations. Et celui qui vous dit que soyez des entrepreneurs, après 3 mois, 6 mois, vous allez devenir des milliardaires. C'est quelqu'un qui vous vend des communions sucrées. C'est faux et faux. C'est pas vrai. On ne devient pas entrepreneur pour devenir riche. On devient entrepreneur pour résoudre un problème, un besoin sociétal. Et c'est quand la société est satisfaite qu'elle te rend riche. C'est pas quand toi, tu es satisfait. C'est quand la société est satisfaite qu'elle te rend riche. Donc, il est très important à noter. Alors, donc, pour finir, lorsque ton entreprise est indépendante, elle a grandi son capital, elle quitte de petite et moyenne entreprise à moyenne entreprise. Elle quitte de moyenne entreprise à groupe. Elle quitte de groupe à holding comme mon entreprise. Donc moi, j'ai suivi toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, j'ai une holding. Holding veut dire que tu as des entreprises au sein de ton entreprise. Tu as des filiales. D'accord, aujourd'hui, on en connaît plein, UBA, etc. Des grandes entreprises qui appartiennent aux Africains. Heureusement, mais aux Africains, quel type d'Africains? Anglophones. C'est un autre débat. Ça restera un autre débat. Donc, en fin de compte, juste voici les étapes en fait, qu'un entrepreneur devrait suivre. Donc, ne sautons pas les étapes, ne retranchons pas les étapes. Les étapes, ce sont des circuits naturels. C'est comme le cycle du jour et de la nuit, c'est naturel. C'est comme le lever du soleil de l'est à l'ouest, c'est naturel. C'est comme une plante qui grandit, c'est naturel. Ce sont des choses naturellement propices à l'entrepreneur. On ne peut ni anticiper, on ne peut ni retrancher. Il n'y a pas aussi de raccourcis. Ça n'existe pas. Il faut forcément te conformer. Comme la femme ancienne, comme je le disais à quelqu'un autrefois, au Bénin, je sais pas ce qu'il fait une conférence en entrepreneuriat, à l'université Abomey-Calavi, il y a un étudiant qui m'a posé la question. Docteur, seriez-vous en train de vous dire qu'on est obligé de passer par ces étapes-là? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais je veux te poser une question. Il dit, oui. J'ai dit, une femme qui est enceinte de 2 semaines, est-ce qu'elle peut accoucher? Et pour que tu prennes l'enfant, pour que l'enfant devienne quelqu'un? Elle dit, non. J'ai dit, pourquoi?
dit, parce qu'il n'est pas encore temps d'accoucher. J'ai dit, combien de temps il faut pour une femme pour accoucher? Il dit, 9 mois. J'ai dit, alors pourquoi tu veux précipiter ton entreprise? Parce que le temps que la femme prend, ce n'est pas parce que la nature veut lui faire du mal. Non, c'est pour que son corps s'adapte. C'est pour que l'enfant puisse bien grossir. L'embryon puisse bien être à un niveau où, lorsqu'il sera prêt de sortir, il faut qu'il soit en fait capable de pouvoir supporter le tempérament de l'extérieur. C'est comme ça l'entrepreneur. Tu ne peux pas débuter en start-upper et vouloir d'un jour au lendemain devenir grand. Tu n'es pas prêt pour ça. C'est l'exemple que je vous ai pris lorsqu'on papotait sur la terre. Je vous ai dit qu'un entrepreneur à qui on donne un financement, on lui dit va t'asseoir dans un bureau climatisé comme la nôtre. Un entrepreneur à qui on donne des idées ou qui lui-même qui crée des idées et qui dit moi je veux débuter comme ça, suit les procédures, les étapes de l'entrepreneuriat. Ces deux personnes-là, vous allez les voir, vous allez vous en rendre compte que les échecs ne sont pas pareils. Il y a ce qu'on appelle l'échec naturel et l'échec prémédité. L'échec naturel et l'échec prémédité. C'est quoi la différence? La différence, elle est tout simplement claire. L'échec naturel, c'est un échec qui est sur l'échiquier de la nature de l'entrepreneur. C'est-à-dire, c'est un échec qui est indispensable pour l'entrepreneur. C'est un échec qu'il faut pour pouvoir former l'entrepreneur. L'échec prémédité, c'est les personnes tout simplement qui anticipent en fait, c'est-à-dire qui ne veut pas souffrir, qui veut de l'argent, s'asseoir dans un bureau climatisé et garder, tenez-vous bien, lorsqu'ils sont dans les difficultés, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas vécu leur espérance, ils n'ont pas vécu leur projet. Ils l'ont fait soit, c'est ce que j'ai nommé l'entrepreneuriat par conviction, l'entrepreneuriat naturel ou l'entrepreneuriat artificiel. Voilà, donc il y a l'échec naturel et l'échec prémédité, les étapes de l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez bien pris note des étapes de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sautent, mais alors, professeur Kaye vient de vous rappeler à l'ordre qu'on ne peut pas sauter des étapes. Il faut prendre juste l'exemple qu'il a donné sur une femme enceinte. Ça suit des étapes jusqu'à l'accouchement quand l'enfant arrive au monde, ainsi de suite. Donc, c'est très pédagogique, alors ça ne nous surprend pas surtout moi qui sais que vous avez enseigné à l'université de Cocody. Vous avez fait beaucoup de recherches également à l'université Bristol University et avec plus de 40 pays visités à travers le monde. Donc ça ne nous surprend vraiment. 40 pays en Afrique. En Afrique. Non, oui. Donc, plus de 80 pays dans le monde, donc voilà. Sachant qu'il y a 195 pays dans le monde. Il y a 195 pays dans le monde, donc c'est vraiment quasiment la moitié, quoi. Tout à fait. Et la moitié du monde, vous avez parcouru la moitié du monde. Et c'est avec beaucoup d'expérience et beaucoup de recul que vous donnez ces exemples, ces illustrations. En tout cas, pour toutes les personnes comme moi, c'est joint à moi pour vous dire merci pour cette démonstration une fois de plus. Mais nous allons continuer à vous connaître un peu plus, docteur, si vous nous le permettez. Bien sûr, bien sûr. Si vous nous le permettez. Alors, la question que moi, j'ai à te poser déjà, c'est de nous dire un peu plus sur tes projets que tu as actuellement. D'ailleurs, moi, je sais déjà que ton livre « L'entrepreneuriat est ma seule religion » est le best-seller, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus d'un million d'exemplaires vendus sur Amazon. Hein. On vous mettra même les liens dans la barre de description. Est-ce que tu peux nous écorcher un peu, hein, nous donner un peu le décor de ce livre, de quoi parle un peu le livre et vraiment de vos projets personnels? Parce que déjà également, le confinement, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas resté bras croisés. Vous vous êtes adapté et ça, c'est le fruit du confinement. Tout à fait. Donc oui. Comme ces gens de projet, vous avez beaucoup de projets, hein, vous êtes adapté à créer beaucoup de projets. Vous étiez juste de passage à Dakar, exactement, juste de passage au Sénégal, et là, le confinement a fait à ce que vous êtes obligé d'y rester encore quelques temps. Et vous avez profité pour lancer des projets tout en gardant vos projets d'Accra, du Maroc, de la Côte d'Ivoire. Alors, d'où vient cette énergie déjà? Tout ça, vraiment, on veut en savoir quoi sur vos projets en cours, de vos projets à venir, et surtout, d'où vient cette dynamisme-là, hein, cette énergie qui vous pousse toujours à aller de l'avant? D'accord, alors je vais commencer par les activités de mon entreprise. Alors, tout a commencé fin 2009, début 2010, où j'avais qu'un seul master. J'ai fini mon master, je suis rentré en Côte d'Ivoire et j'avais deux choix. Soit suivre la voie facile, cela veut dire que avec un master anglais, tu t'imagines, en Côte d'Ivoire, c'est pas mal d'entreprises qui courront derrière toi. Ou bien même, tu vas tout simplement passer un concours de la fonction publique pour devenir professeur de lycée ou je sais pas quoi. Avec une vie facile, tu as ta prime de 8 millions, tu t'installes ta petite bagnole, bah, visiblement ton petit jardin, ton petit chien, ça se court les rues. Hein, voilà. Alors, donc, j'avais le deuxième choix,
décidé de galérer jusqu'à à l'infini. Je dis à l'infini parce que même en ce moment, je ne suis pas encore à l'abri. Quand il pleut, il y a des petites gouttes qui me touchent. D'accord ? Donc, j'ai commencé avec mon cabinet de langue. En tant que chercheur, vous savez, masterien chercheur, mon cabinet de langue, l'Institut Eliwa, qui veut dire English Language Institute, tout ce qui est cabinet de langue, tout ce qui est service de langue, traduction, interprétariat, de conférences, cours de langue, etc., recherche, idéologie de langue, tout ça, j'ai débuté. Et c'est en 2016 que j'ai eu l'idée d'agrandir mes services, d'accord, sur demande des clients, parce que j'étais tellement passionné de ce que je faisais. Donc, mes propres clients, en fait, quand un client, un apprenant de l'anglais me dit, ah ben, docteur, dites-moi, est-ce que vous ne faites pas tant? Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui fait ça? J'ai dit, bon, d'accord, s'ils ont convaincu en moi, déjà pour le premier produit que je les place, pourquoi ne pas profiter pour placer le deuxième produit? D'accord? Voilà ce qui m'a envoyé, m'a encouragé à ouvrir ma première agence de voyage, PCA Travel Agency. Ensuite, PCA Communication Technology, où on crée des sites internet, on fait tout ce qui est impression, Accra, etc. Là, je tiens quand même à rappeler pour PCA Travel, c'est que vous louez des jets privés aussi. Hein. Justement. Des jets privés, ainsi de suite. Alors, moi, j'ai vu également que vous avez une Lamborghini. Alors, tout ça. Non, il faut casser le mystère. Non. J'ai eu une Lamborghini, je me suis permis de louer un jet privé. Ça, c'était du passé. D'accord, j'avoue quand même que j'ai vécu une belle vie, hein. Voilà, même si maintenant ce n'est pas le cas, mais j'ai eu cette opportunité-là grâce à ma persévérance. Vous savez, grâce à ma persévérance, j'ai eu des collègues à Dubaï, etc., qui m'ont confié plusieurs jets privés que je louais ici en Afrique. D'accord, voilà. Donc justement, mon agent du voyage est toujours chargé de ça. Même les hélicoptères pour le mariage, tout ça, on le fait. Mais vous savez, ce sont des business qui sont dans certains standards où pour trouver un client, bah, il faut compter les années, quoi, voilà, etc. Donc justement, c'est l'une des filiales de PCI Universal. Également, on est dans le service juridique, tout ça avec mon associé Maître Alban, qui est lui avocat international. Donc, on a inséré un service juridique à Accra et à Abidjan, donc Excellence Academy. Et on a un centre de football, PCA Football Club, voilà, donc l'Institut Eliwa et tout. Donc, au tout, l'année surpassée, 2 ans en arrière, on n'avait que 13 filiales. Donc, j'ai ajouté les 4 autres filiales l'année passée. D'accord, donc ça concerne le taxi professionnel, un peu comme Uber, mais le nôtre c'est beaucoup repensé. D'accord, donc nous le faisons. Et ensuite dans l'agriculture, on a AgriPCA. Donc on fait du négoce, on met des acheteurs en contact avec des producteurs. Ensuite comme filiale, on a quoi? Donc, j'ai tellement de filiales que j'oublie, vous savez. Voilà, et on a quoi d'autre? Bon, la Ligue des jeunes entrepreneurs, c'est pas une filiale en tant que telle, c'est un réseau des chefs d'entreprise et tout. Voilà, donc dans le grosso modo, voilà un peu. Et aussi on a une entreprise de nourriture, Ujoko, Urgence Quotidien, qui promeut que les plats africains. Abidjan et Accra, on livre des plats à domicile, au bureau, etc. Ujoko, d'accord, que j'ai lancé il y a 1 an, 8 mois de cela, en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, voici un peu l'ensemble des activités que nous menons, mais tout en sachant que la majeure partie de nos activités, c'est la formation. Donc, en entrepreneuriat, en langue, les visites touristiques, les voyages touristiques au Ghana, étudier au Ghana, etc. Donc, c'est ce qu'en fait notre grande filière fait. Alors, ici à Dakar, comme vous le savez, nous sommes dans 4 principales activités. D'accord, la première activité, c'est la langue. Donc, on forme des professionnels, des étudiants en anglais, ok, et on effectue des voyages touristiques dans la sous-région, etc. En Afrique, moi, je suis purement africain, j'adore mon continent, donc je préfère opérer sur mon continent. D'accord, également, voilà, donc on a lancé la distribution de notre eau, Kaya, exactement ici à Dakar. Voilà, à part ça, on a des activités du salon de l'emploi, salon de l'entrepreneur, c'est nous qui sommes les initiateurs ici à Dakar, des initiatives qui n'existaient pas auparavant, donc c'est nous qui les faisons. D'accord, et également, notre dernier service ici, c'est la location des véhicules de luxe. Voilà, donc on dispose des véhicules à location journalière aux individus, aux personnes qui en veulent. Donc voilà. En ce moment même, on a 2 véhicules qui circulent à Dakar, donc à des prix imbattables, 9 450 francs. Tu as le véhicule de luxe, tu as la musique et tu as l'eau minérale gratuite au bord. On ne va pas de l'aéroport Dakar ou bien on circule à Dakar. Donc si vous voulez, voici un peu les activités. Et moi, j'en compte en faire plus encore parce que mon objectif, c'est de pouvoir, je ne suis plus au niveau de pouvoir peut-être, je dirais, me concentrer sur une seule activité. Parce que vous savez, plus vous avancez, plus les charges, les réalités deviennent énormes. Donc, il faut agrandir, il faut diversifier.
Il ne faut pas mettre tes œufs dans un seul panier. Je prends des enjeux. Si l'anglais ne roule pas, voiture professionnelle peut m'apporter quelque chose à manger. Si voiture professionnelle ne roule pas, l'agriculture peut m'apporter. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de trouver l'argent, de chercher et de trouver l'argent. Et ça, je souhaiterais dire à tout le monde ici. C'est vrai, ironiquement, on promeut qu'il faut résoudre les problèmes. Mais quand tu résous un problème, au retour, c'est l'argent. Par exemple, vous, si je vous apprends l'anglais, vous allez me donner de l'argent. Et c'est cet argent-là qui va me permettre de vivre. D'accord ? Donc, à un certain moment donné, comme je l'ai illustré avec la femme enceinte, donc quand l'enfant, il n'est plus enfant, il est devenu adulte, donc quand lui aussi il décroche son diplôme, il va chercher du travail, c'est pourquoi gagner de l'argent, d'accord. Donc lui aussi il va avoir des enfants qui va faire la routine, d'accord. Donc être à mesure de pouvoir diversifier tes revenus afin de pouvoir en avoir plein. Alors j'ai oublié notre dernière filiale en forme également en forest trading, d'accord, en trading, tout ce qui est forest, les échanges de devises et tout. Si vous voulez, en fait, tout. Moi, je dis, j'ai vendu même du pain dans les rues de Lagos. Voilà, j'ai livré de la tomate, j'ai vendu du charbon. Voilà, et aussi, on fait du biocharbon à Accra. On produit et on industrialise le biocharbon, etc. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est à un niveau où on fait tout, vraiment tout. J'ai dit, on n'a pas de limite. Là où il y a un problème, on frappe fort, on résout et en retour, on a de l'argent. Et l'objectif, c'est l'argent, l'argent et l'argent. Et voilà. Donc, on fait tout pour pouvoir être à mesure de pouvoir, en plus de satisfaire nos clients et le public, il faut en retour qu'on amasse le maximum d'argent. Merci beaucoup, professeur Kaye. En tout cas, vous l'avez compris. Vraiment, on aimerait encore continuer à échanger avec vous, mais le temps ne nous permet pas, du moins pour aujourd'hui, ou bien je ne sais pas pour cette vidéo, mais on aura l'occasion encore, en tout cas, de revenir très souvent échanger avec vous pour le temps que vous êtes encore au Sénégal. On espère vous retrouver encore pour le temps que vous êtes au Sénégal. Mais avant de finir, quand même, on va vous laisser un message de la fin. Quels sont les messages, ou bien quel est le message que vous voulez adresser à la jeunesse africaine, ou bien en tout cas à la jeunesse africaine du monde entier, ou bien, vraiment un message que vous tenez à cœur, que vous aimez partager avec vos jeunes frères, ou bien en tout cas vos aînés, ou bien en tout cas tous les Africains qui vont regarder cette vidéo. J'ai une seule chose à dire à toutes les personnes qui nous suivent. Rien n'est facile, même manger n'est pas facile. Lorsque vous décidez d'être entrepreneur, vous avez décidé de vous embarquer dans un bateau, justement, qui a une destination sûre, mais qui a une durée, d'accord, qui a une durée de route incertaine. Mais la destination est sûre. Mais il y a une durée, c'est-à-dire quand tu montes dans l'avion, par exemple, quand tu prends le vol, d'Abidjan à Dakar, on te dit ça fait 2h15 minutes. L'avion te prémédite ça. Et souvent, c'est OK, souvent, c'est moins que ça, souvent, c'est plus que ça. Ce sont des estimations. D'accord, mais le bateau de l'entrepreneur ou l'avion de l'entrepreneur, on te dit tu vas à Dakar, mais on ne sait pas quand tu vas arriver. D'accord ? Donc, c'est le message que j'ai à vous dire. On sait qu'on va à Dakar, mais on ne sait pas quand on va arriver. Si tu es un jeune entrepreneur, tu es quelque part dans ton bureau, tu es quelque part sur le terrain, tu es quelque part, je ne sais pas où, tu es désolé, tu es découragé, tu veux tout abandonner, tu te dis que non, c'est trop difficile, je n'arrive pas à avancer. Sache que tu as pris une décision et tu as pris la bonne décision. Il faut foncer, il faut être persévérant, il faut être endurant, il faut être résilient, il faut croire en ce que tu fais. Car on ne te jugera pas selon le nombre d'années que tu as fait dans la galère, mais qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Donc, il faut être objectif, il faut aimer ce que tu fais, surtout, c'est très important. Il faut aimer parce que c'est dans la passion qui vient la résilience, vient la détermination. D'accord? S'il n'y a pas de passion, les autres n'ont pas de sens. Donc, dans ce que tu fais, il faut aimer ce que tu fais. D'accord, il faut adorer, il faut être content et fier de ce que tu fais, quelles que soient les difficultés, etc. Dans toute chose, il y a les difficultés. J'ai dit, et je termine peut-être par cette citation, je préfère faire quelque chose, souffrir en le faisant, que souffrir de l'ennui sans le faire. Est-ce que vous m'avez compris? Je préfère souffrir en faisant quelque chose que de souffrir de l'ennui sans le faire. Cela veut dire tout simplement que je préfère souffrir, quelles que soient les années dans l'entrepreneuriat. Au moins, je sais que j'ai un titre, j'ai un nom, j'ai une image, j'ai une identité, j'ai une personnalité. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes venu, c'est parce que vous avez entendu parler de moi. C'est parce que vous croyez en ce que je suis. Que
de ne rien faire. Imaginez dans un monde où je ne faisais rien. C'est un nul, là, non seulement allait me tuer, mais également, vous ne serez pas capable de me découvrir. D'accord ? Donc, continuez, foncez et vous allez y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Kaye. Merci à toute ton équipe et vraiment, merci pour l'accueil. Nous sommes très contents de passer. Nous pensons vraiment et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons repasser, en tout cas, à toutes les fois où tu nous donneras l'occasion. Vraiment, merci beaucoup. À vous également, dites-nous dans les commentaires. Merci. En tout cas, joignez vos merci à mes merci pour dire encore merci au professeur Kaye pour ce contenu-là. Voilà. Donc, d'ici là, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo dans le maximum de groupes pour que le maximum d'Africains puissent en prendre conscience. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On est ensemble et